Bonjour à tous, bienvenue dans le Squeak Show by Tony Parker. Alors là, on va encore avoir un débat, mais on a parlé tennis, on a parlé Formule 1, mais là, on va parler un peu de boxe. Je ne sais pas si Stephen il sait se battre, j'en ai aucune idée. Leslie, peut-être. Hein. Quoique, si j'avais un pari à faire, je crois que j'irais avec Leslie, elle m'a l'air un peu plus feisty, tu vois. On va leur demander leur avis, tu vois, ils sont déjà en place et tout. Ça va, les gars? T'as as misé sur le bon cheval, Tony. Non, non, j'ai dit d'abord bonjour à bah, l'équipe. As... Non, d'abord, bonjour. suis bon bon raison, en train bonjour à Je connais, te 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 connais te les chevaux. <laughs> Et donc, je sais que. Ça va? Tu vas bien? Point, mais euh, ouais. Il est prêt. Ah bah, Il déjà, est prêt. on voit la technique. Il est prêt. Très bien. Ça va quoi? Bon, ça va bien, ça va bien, en pleine forme. Je vois que tu es a, MNM, ça va, tu t'es à l'aise. Tu es un gars des <laughs> <ça. rire> tu parles J'adore pas... le chocolat, donc façon, non, je pas, je pas tu de toute toi, tu parlais de On sait pas se de... battre. Tu t'es jamais battu toi, dans ta carrière? Non, je me suis jamais battu. Pas de J'ai même pas un semblant de. T'es un baston comme ça, Le truc, c'est que physiquement, tu vois, t'avais quand même des mecs qui étaient très, très, très grands. J'étais très petit dans mon domaine, donc c'est clair que j'allais pas me battre avec les gars de 2m15, 2m30, tu vois, chez Kilonil, même s'ils me tabassaient à chaque il faisait des grosses fautes, je suis par terre, j'allais pas me lever, faire genre qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas un mec énervant hein, que tu t'es dit, lui, je mettrais bien une petite taloche, non Mais non, tu sais comment nous on était avec les Spurs. Les Spurs, on était, tu sais, poker face, on ne réagit ouais. pas, euh, tu prends de la hauteur et, et nous, on ne réagissait pas. Moi, quand, quand je me suis pris une technique, quand même, je, je crois que j'ai dû me prendre trois techniques dans toute ma carrière de, de NBA. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Trop technique, et, que encore, plein, et à chaque fois que vous suis arbitres. pris une technique, non, même pas. C'est que genre, je m'énervais, je disais un putain ou un truc comme ouais. ça, et l'arbitre, il mettait une technique, mais je ne lui parlais même pas à lui, c'est juste que j'étais énervé contre moi-même. Mais franchement, les techniques que je me suis pris, tu rigoles, quoi. Moi, je n'ai jamais pris. T'as jamais pris de tes. Non, je déconne. <laughs> ah, parce que je suis ai dire, dire, attends. <rire> <rire> Stephen, s'est jamais énervé. Oui, c'est pas du tout quoi, son bouddhiste. genre. <laughs> bon, on a une bonne nouvelle, on rappelle, hein, pour euh, les, ceux qui nous regardent, euh, le, le Squid Show by, by Tony Parker, on fait gagner deux passes annuelles pour euh, Squid TV. Donc, vous savez, il y a toute la bête clique il y a le il y a le League, il y a la LFB, du 3-3, des contenus exclusifs, Voilà, tout ce qui est autour de, du basket, évidemment. On vous les fait gagner. Euh, Rendez-vous sur. Alors, c'est jeu. Point, squeak, point TV euh, sur le net ou alors vous scannez le QR code qui apparaît sur, euh, sur vos écrans. Vous êtes tiré au sort si vous répondez à une question qui a à voir avec ce show. Enfin, donc voilà, ça peut être n'importe quoi. Voilà ce qui se passera dans, dans cet épisode. Vous répondez à la question, vous êtes tiré au sort et puis euh, vous pouvez remporter deux passes annuelles Squeak. C'est plutôt pas mal. Trop bien. Magnifique. C'est quoi la question Est-ce que Stephen sait se battre C'est ça bah, la là, réponse. Ouais, on ouais, aura ça, à la je pense fin du que show. tout le monde aura la réponse même sans regarder le show. La que es, tu t'es déjà battu Est-ce que toi tu t'es déjà battu ouais, ouais. Ouais oui, oui. C'était quoi la plus grosse baston euh, <laughs> que as eu en... La plus grosse bagarre c'était Je jouais à Brest avec la famille tu as déjà entendu parler de la famille Vérov ah, bah oui, Et un Brest-Antibes euh, Contre un garçon qui s'appelle Sébastien Chéras En cas de disparu, mais si tu ne regardes mon grand Je t'ai pas oublié <rire> 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 Comment ça vient bien profond là <laughs> Je t'ai pas oublié, et donc, je je pas... Pas oublié. Et donc début de bagarre Et euh, en fait à l'époque c'était Franck Vérov Très dangereux à la bagarre qui est venu Et qui a, fin, euh, qui a mis fin à tout ça j'ai été expulsé ok. forcément. Voilà. Ah donc as été expulsé. Il y, y a eu... Euh... Ouais, oui, il y a eu quelques petits coups qui sont partis. Expulsé. Ah ouais. Un match de ferme. Et c'est en plus le match que je loupe, c'est le derby Brest-Quimper pour quasiment la montée en pro. Non, et et bah pas bravo joué. Stephen. Ah ouais. Garde-ténère la prochaine fois. Oui, bah, écoute, ça arrive. Il hein. avait mérité ou pas je, Sincèrement, je pense qu'il avait mérité. <laughs> Sébastien, si tu nous regarde, je ne sais pas oublié. <laughs> je n'oublie jamais rien. Euh, allez, premier thème du jour. Euh, 21e saison de NBA pour... King James, LeBron James. Est-ce que c'est la saison de trop ou pas On se pose la question. Il a 38 ans. Voilà. Qu'est-ce qu que ça va donner, cette saison supplémentaire pour, pour lui Il va avoir 39 ans en hein, décembre. Moi, le premier mot, franchement, respect. Franchement, respect, parce que pour jouer 21 saisons en NBA, c'est long. Hein. Et puis, on ne veut pas se battre avec LeBron James, donc respect. C'est long. Euh, tous les étés euh, qu'il a joué en équipe nationale, il ne jouait pas tous les étés, mais je parle en général, il a joué plusieurs étés. Franchement, respect, ce n'est pas facile de garder euh, ce niveau de, de constance euh, au haut niveau et, et les stats qu'il fait encore. Alors bien sûr, il est plus dans son prime, il défend peut-être plus comme avant et tout ça, mais quand même de tourner quand même à plus de 28 points, je crois. 28, 8 ouais. et 6. Ouais, hein. 28, ouais. 8 et 6. Je pense qu'il a les meilleures stats pour un gars de 38 tout ans, 39 ans. Euh, si tu regardes bien les stats, il y a cinq joueurs qui ont fait 21 saisons. Donc, euh, il faut que je me les remémore, mais je crois que c'est Dirk Nowitzki. Euh, Kevin Willis, euh, Vince Carter, euh, Robert Parrish, non Robert Parrish et, et, et AC Green, non euh, Peut-être AC ah, je Green, je ne me plus. Mais en tout cas, il y en a cinq. Et quand tu regardes la liste de ces joueurs-là, les, les, les stats, points, moyenne, meilleur, c'est sept points de moyenne à cet âge-là. Et je pense que les bandes tourneront à plus de sept points de moyenne euh, cette année. Franchement, sur la longévité, il euh, y, a, y, a, y a peu de sportifs. Je ne sais pas si tu peux sortir un sportif qui a une longévité aussi longue que Lebron à ce niveau de constance au haut niveau. Euh, franchement, je ne peux pas t'en sortir beaucoup. Hein. De mémoire, moi non plus. De mémoire, moi non plus. Non, c'est hors norme ce qu'il fait. C'est hors norme euh, enfin, au niveau des stats. D'ailleurs, je crois qu'il y a c un record à battre c sur sa 39e année. Je crois que c'est Jordan et Malone qui sont à 20 points, euh, 3 rebonds et 4 passes. Donc, on va voir s'il va faire mieux. Bon, je n'ai pas de doute sur ça, mais… L'année trop, ça me paraît compliqué quand tu vois au niveau le, au, auquel il joue encore, euh, dans l'équipe qui est ultra compétitive, ouais. ce qu'il est capable de faire encore. Moi, ce, ce qui m'impressionne le plus, Lebron, c'est que j'ai l'impression que c'est un des rares qui n'a pas perdu en qualité athlétique après 21 saisons NBA. Il est capable encore de mettre des tomards de l'espace, alors qu'en général, tu déclines un petit peu en ouais. termes de détente, en termes de, de vélocité. Il décline pas, oui. il met des cons, il a encore la tête au cercle, il met des tomards en contre-attaque, euh, les mêmes que quand il était à Akron, euh, quand, quand il avait 16 ans ou, ou 17 ans. Il n'y a pas de déclin. Alors il y a un déclin physique, il joue moins de matchs, il y a souvent des blessures qui arrivent. Il a joué, je crois, 60 matchs de moyenne sur les trois dernières saisons. Il y a peut-être un déclin sur sa manière de jouer. Ouais, mais il y a pas de comparaison, de toute façon. Non, non, facile. non. À cet âge-là, ce après 21 saisons, il mmh. n'y a pas. Donc, en fait, là, on va dans l'inconnu. On ne sait pas ce qu'il va faire, on ne sait pas ce qu'il va donner. Est-ce que son corps va le lâcher ou pas, comme tu viens de l'expliquer au niveau athlétique et de ça Il n'y a pas d'exemple, en fait. Donc, on ne peut le comparer à personne. Et, et, et c'est toujours compliqué quand les sportifs prennent la retraite. Euh, Est-ce qu'il ouais. est qu mmh, est fait l'année trop En fait, tu ne le sais jamais tant que tu ne l'as pas fait, en fait, euh, l'année trop. Et c'est pour ça que le choix de prendre. Quand tu es la dedans, retraite... tu sais. <laughs> oui, le choix de prendre sa retraite. Ouais, sauf si c'était Jordan. Sauf Jordan oui. et mmh. il, a, fin, il a pris trois retraites. Mais <laughs> la première fois qu'il a pris sa retraite, même la deuxième fois, il, il, il pouvait jouer encore. En 98, quand il prend sa retraite, il était quand même le meilleur joueur de la NBA, meilleur marqueur, champion NBA. Enfin, il n'était pas du tout. Et on veut bon, s'arrêter Et après, ces il s'arrêtait pas trois ans. Donc, c'est dur à comparer. Alors que LeBron, lui, il a plus d'années en NBA aussi parce qu'il a commencé très très tôt. Aussi. Ah, parce est il il est frac, sorti ouais. de high school, donc il n'a pas joué les trois ans, par exemple, que Jordan a fait à North Carolina. Donc, c'est dur, dur, de comparer. Qu'est-ce qu'il va aller chercher de plus dans cette saison tu Moi, je disais, il, il, il nous reste titre. encore un record. Un titre, LeBron. Il veut, il veut, moi, je pense qu'il veut encore un ah, titre. Il veut simple. quand même euh, égaler, je pense, Kobe et, et Magic. Je pense que 5, ça il a envie de terminer en beauté enfin en tout cas je pense hein, je suis ah, lui, euh... il, il court après ça l'année dernière il courait après uh, all time leading scorer uh, pour passer devant Jabbar fait. il l'a fait, il, a fait ouais. il y a il reste euh, le nombre de sélections All Star game pour l'instant il y a 19 à égalité avec Karim Abdul Jabbar donc s'il fait 20 All Star game en 21 saison il n'y a que son année rookie où il a pas été All Star sinon il a tout le temps été All Star ça ça fait un record mais il cherche la bagouze il cherche que ah, ça aujourd'hui pour moi c'est la bagouze il cherche que ça et pas aujourd'hui aujourd'hui pour pouvoir le, le mettre à côté de Michael Jordan alors il lui en manque 2 5 il va il va il cherche que ça en Maintenant, les Brands, ce qu'il fait, quoi, c'est d'avoir le plus d'arguments possible ben oui. pour tous les pros euh, Jordan dont je fais partie. Venez me chercher. Pour être sûr qu'il <laughs> qu a, il a plus d'arguments. Bon. Parce, que, parce, que euh, parce que, un jour, dit... on dise euh, Bon, ok, les Brands. <laughs> ben sur, sur quoi on s'appuie quand on parle du go de Jordan On s'appuie sur six finales, six titres. C'est l'argument numéro un qui arrive les brands Jordan. C'est six finales, six titres. Les Brands, il a fait beaucoup de finales. Il en a perdu. Il en a perdu 6. A... Donc les Browns, ils cherchent des bagues pour pouvoir mmh. aller Mais là. Mais c'est faisable, bon. vous le voyez, non, aller non, euh, non. décrocher une, une bague Ah Ah moi, ouais, si, 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 Ils ont une bonne équipe, là, quand même. Hein. Et, et en plus, c'est la première fois depuis qu'il est aux Lakers qu'il qui revient avec la même équipe, en fait. Euh, parce que depuis qu'il est aux Lakers, à chaque fois, ils ont fait plein de changements. Russell wayne plein de changements. Alors que là, ils ont fait une très, très bonne saison, on va dire, surtout après le All-Star Break, après février. Ils ont vraiment fait, fait ont une bonne coupé. fin de saison. Ils ont très bien joué en playoffs. Ils sortent Golden State, perdent contre les champions, euh, les champions, Denver. Et donc, franchement, je pense que les Lakers, ils peuvent faire une grosse saison. Parce que là, c'est une deuxième année où ils vont jouer ensemble. Donc, ils vont avoir des automatismes. Ils vont pouvoir voilà, démarrer plus fort la saison pour essayer d'avoir l'avantage du terrain. Parce que les Lakers, s'ils ont l'avantage du terrain, ce ne sera pas la même histoire contre Denver. Et ils se sont bien renforcés. Franchement, et ils sont renforcés par rapport à l'année dernière. Moi, j'aime bien leur équipe cette année. Il faut qu'Anthony Davis soit le meilleur joueur oui. et le et meilleur faut marqueur, que le parce que c'est pour, pour moi. Pour moi, c'est pas, c'est pas, tu vois, les Brand, les deux dernières saisons, il fait 50 matchs, 55 matchs, il loue quand même 30 matchs. Donc, si tu veux avoir l'avantage du terrain et vraiment battre Denver, ces 30 matchs-là, alors peut-être il jouera plus cette année. Hein, moi, je me base sur les, les deux dernières saisons. Il va falloir que, que les autres, ils euh, jouent plus, ils jouent mieux et ils prennent plus de responsabilités. Si les il ils tournaient à 22, 23 points de moyenne et pas à 29 et que les autres prennent plus de responsabilités et que Anthony Davis c'est la star de l'équipe, je pense qu'ils ont une grande chance de gagner un titre. Mmh. Donc pour l'ego, ça va être euh, dur ah, hein, je hein, je de, crois de je basculer Je, hein. est prêt. je crois qu'il est, qu est, qu est, qu est prêt à se sacrifier. À ans, bah, après, on parle de sacrifier, il va jamais sacrifier les Browns, mais je crois qu'il est prêt euh, et, je, et je crois qu'il est surtout conscient que anthony Davis est le joueur qui peut l'emmener euh, à une cinquième bague. Donc quand on est conscient et que tu le sais, je trouve pas ça dramatique de te mettre, limite un petit peu en retrait et que bien ce soit Heidi ton, ton go to guy. C'est ce que c'est ce que Tim Duncan a fait un peu euh, quand, quand les Spurs c'était devenu mon équipe et bah, Tim Duncan euh, il a largement accepté ce, ce rôle là et en plus on a gagné un titre et je vois bien les Brands faire exactement la même chose je le vois et pas. Davis euh, vous le voyez aussi parce euh, ah, bah, numéro ça c'est une autre histoire ça. <laughs> ah ça c'est une autre histoire parce que Davis il est tout le temps blessé donc euh, c'est ça le problème. Si Davis il, il arrive à faire une saison où, où il n'est il... pas blessé. Ouais il est pas blessé. Et, il, il est super dominant comme joueur, attention. Hein, c'est un joueur qui est très très fort. Il est dominant. Et il y en a pas beaucoup des joueurs NBA dominants des deux, comme côtés, un, du les terrain, deux côtés du terrain comme un Anthony Davis. Problème, c'est qu'il faut qu'il reste en bonne santé. Et pour moi, ça, c'est de toute façon, c'est la, la question mark pour les Spurs, euh, pour, les Spurs. pour les Lakers, c'est LeBron et Anthony Davis. Faut il faut qu'ils restent en bonne santé. Il y a cette carotte aussi pour, pour LeBron James de pouvoir aussi potentiellement jouer un jour avec son, avec son fils, avec Bronny. Ça, c tu penses que c'est quelque chose qui entre aussi dans cette décision de, de continuer à jouer oui, Bien ça, sûr, ça, il est toujours ça doit, performant. Ça doit mais... sûrement jouer. Il l'a dit plusieurs fois en interview, ça doit sûrement jouer. Après, après son fils, on va voir tu sais, comment il va s'adapter à USC. Euh, franchement, ils ont dû avoir très très peur, la famille, quand ouais. il a son problème au cœur. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer ce truc-là et il va falloir euh, bah, faire attention quand ouais, même. La bonne nouvelle c'est qu'il s'est fait opérer, ouais. ça a l'air de pouvoir aller, qu'il va pouvoir rejouer au basket. Ouais. Tant qu'il joue à ce niveau-là, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas capable d'attendre son fils, euh, les Lebron. Si tu tournes à 28 points de moyenne, 8 rebonds, 6 passes… Fin... Par contre, toi, si tu avais dû, dû attendre que tes fils arrivent en NBA, tu aurais joué à, à 50 ans. <laughs> j'aurais pu <laughs> attendre pendant très très longtemps. Pendant très très longtemps. C'est vrai qu'ils… Non, j'aurais pas eu l'envie. Alors que Lebron, il a cette envie-là, il l'a exprimé plusieurs fois dans les médias, donc euh, c'est un de ses rêves. Il, il, il aimerait bien jouer avec son fils, donc on verra bien. Tu penses qu'il va finir en l'écart, ce Lebron <laughs> ben En fait, je ne vois pas pourquoi il partirait. Tu, tu veux aller où Cleveland. Finir à Cleveland. Oui, finir à Cleveland, mais ouais, je sais pas. Avec tout son business maintenant et tout ce qu'il a créé avec Maverick Carter et toute la team-là, je... je, je, je... Ouais, je, moi je le vois terminer au Lakers, mais bon après, oui, peut-être Cleveland, ouais, peut Cleveland. Ça aurait du sens. Toi, tu le vois euh, terminer au Lakers Oui, j'en sais rien. L'histoire serait belle qu'il termine à Cleveland, en fait, dans, dans, dans sa ville où il, a, où il a gagné un titre. Ce serait plutôt sympa. Maintenant, il y a tellement d'autres choses autour du basket de LeBron James à Hollywood et à Los Angeles que c'est compliqué. Euh, et on parlait de l'histoire du GOAT. Il faut quand même se rappeler que les bonnes James ça fait un Space Jam jeu catastrophique, Space Jam 2, catastrophique par rapport à Jordan. Tu es d'accord avec moi ou pas t'es d'accord avec moi ou quoi J'irais pas jusqu'à catastrophique, J'irai pas jusqu'à catastrophique. Cataclysmique J'irai pas t'as kiffé Non, je dirais pas que j'ai kiffé, mais je dirais pas que c'était genre nul à chier, tu vois Je dirais pas ça quoi <laughs> Après, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai des enfants et, et, ont, et. Tes enfants, ils ont kiffé ouais, Space ils ont Jam bien 10. aimé, bien sûr, ils ont bien aimé. Après, Après, ils ont vu plus, les deux. C'est peut-être un problème de génération en fait. Nous, on était euh, MJ, c'était la as, première fois tu T'as pas avait... d'enfants, t'as pas d'enfants. Si, si, j'ai deux garçons. T'as deux garçons. 11 ans et 2 ans et demi. Et ils n'ont pas aimé le, le, le grand de 11 ans, celui qui a 2 ans et demi, il ne regarde pas de, de oui. Space Gem. Celui qui a 11 ans, je lui ai montré le Space Gem 1 et ouais, le Space Gem 2. Tout... bon je l'ai quand même bien orienté sur MJ j'ai quand même bien orienté sur Michael Jordan c'est comme ça j'ai monté en crypté et avec euh... ouais, regarde, ça. avec du Beethoven dans les oreilles il a pas trop kiffé ils ont vu les deux et, et ils ont préféré le 1 aussi bon après j'ai peut-être un peu comme Stephen si je les ai ah, conditionnés mais euh, mais euh... ouais c'est je préfère le 1 aussi c'est sûr c'est sûr Bon, tu pourrais faire le 1 ou le 2 Tu n'as pas vu Non, toi. moi, ils n'ont pas vu euh, Space Jam. Euh, ils hein. ont quel âge, déjà, tes enfants 4, bientôt 4 et 5. 4 et 5. Donc ouais. non, c'est pareil, ne regarde pas. Donc c'est encore trop petit là, pour ouais. regarder ouais, Space ouais. Jam. Euh, le Roi Lion, peut-être Le Roi Lion, oui, oui. Mais euh, j'éteins la, la, la mort de Mufasa, quoi. Je ne veux pas être baptisée. Bon. Ah, ah encore ouais, trop tôt j'ai dit, bah, le papa est parti, euh, il avait des courses euh, à faire. Tu ah, tu voilà. pas, pas, pas ce que c'est si, encore si et mais ça travaille Parce beaucoup le plus vieux. Parce que moi, il savait déjà. Vieux. Moi, il savait à ce âge ça, là déjà. Ça, ça travaille énormément le, le plus vieux. On va vraiment parler de ça, là. Euh, bah non, mais on je trouve non, ça très Souvent, avant de se coucher, il me parle, je ne veux pas aller au ciel. Mais ce reste dans son personnage, tu vois, comme obi reste dans son personnage. On reste sur les fiches. Qu'est-ce qui se passe, là Comment ça, on parle de ça Je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Non, non. Mais oui, c'est des, des, sujets qui euh, vraiment le plus grand, le plus petit, il se rend pas compte encore, mais le plus grand, ça le travaille, Ouais. En fait, Juste moi, je, euh, moi, j'hallucine des fois les questions qui te sortent les enfants. Ah ouais. C'est dur. Et, et, et genre comment t'expliques? Parce ouais. qu'en fait, je me dis, mais moi à cet âge-là, je posais pas ces questions-là ouais. à mes parents. Mais pas. Et en pas. fait, je sais même pas quoi répondre. On s'en souvient euh, pas. On me demande souvent, Stéphane, on me demande souvent, est-ce que tu peux travailler le mental? Et moi, je dis le mental, je sais pas si ça se travaille, c'est le mental. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'inné ouais. et tout ça. Et donc. Quand, quand moi j'avais 9 ans et que je regardais toutes les vidéos de Michael Jordan, je regardais toutes les, tous ses moves, tout, je regardais tout, Je me levais à 3h du matin, je regardais tout. J'ai voulu essayer de faire pareil avec mon fils et lui montrer des trucs de Jordan. S'il reste deux minutes, j'ai de la chance. Tu vois, s'il regarde deux minutes, oui, déjà, oui. j'ai de la chance. Et le jour est sorti, j'aimerais bien être arbitre. J'ai fait, fait arbitre Dit, mais tu peux pas être sérieux. Tu peux sais, pas être sérieux. Tu fais arbitre. Comment c'est possible la réponse de tous les fait, temps. Comment c'est possible Tu vois, j'ai fait comment c'est possible J'ai voir la même chose que moi, faire les mêmes trucs, et le gars il me sort ça. Et en ah fait, ouais. il disait, Fou. ouais, il était pas genre euh, quand il était plus petit, il était pas genre dans, dans la compète. Lui, et la, tout. La, la loi, il aime bien, quoi. il aime bien regarder. les règles, il ouais, aime bien regarder tout ça. Et je sais tu sais pourquoi vois. pas Il en faut bien. Quelle est euh, Tu sais que Moi, je préfère que un enfant dise à son père, j'aimerais bien être arbitre. Plutôt que tous les gamins de 9 ans, en disant je vais être youtubeur ou influenceur. Moi, ah je, bah je, 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 je vais faire évidemment. L ah oui. <laughs> et donc, <laughs> bon, là, 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 on s'est rattrapé, rattrapé depuis un an, là, ça va, tu vois. Là, ah il fait ah du judo. C'est bien, c'est bien. très bien. Donc, il y a Tonton Teddy qui l'aide et tout ça, elle envoie des vidéos, tout ça. Bon, après, à chaque fois, j'adore chambrer Teddy. Ils il se battent comme ça, hop, médaille d'or. Euh, personne veut l'attaquer. <laughs> <donc> euh... <laughs> J'ai dit, le gars, il a une médaille d'or, trop facile. J'aime trop le chambrer avec ça. Je me permets, hein, c'est un de mes ouais, meilleurs. Ouais, on verra amis. si tu chambreras. Mais, mais Ouais, je le chambrerai pas, pas devant lui, ça, c'est sûr. On l'invite très très On, l avis l avis ouais. on, et on non, En tout cas, je suis très content. Non, mais je suis judo. très content que mon fils fasse du judo. C'est très bien, bien. pour l'éthique de travail, discipline, mmh. développement. C'est très respect, très bien. Et, et franchement, nous qu'on sort, d'un sport co. Bah, c'est marrant d'aller à un sport individuel. C'est très différent. Et tu sais, je suis allé à, à quatre tournois l'année dernière. Il a gagné trois médailles d'or. Donc tu sais, il est à fond. Il kiffe. Hein. Et maintenant, il aime bien l'esprit de compétition. Donc ça va. Je suis sauvé. J'aurais pas un arbitre. Non, vois, le judo c'est pas bien. mal. On ne sait jamais. Il peut. T'es un peu ce monsieur Miyagi dans Karaté Kid. Pour un petit jeu, messieurs, à vous proposer, on va vous demander de construire votre 5 majeurs avec 15 dollars. Ça ne fait pas beaucoup. Avec 15 dollars. 5 majeurs avec 15 dollars. Bon, déjà, je pense que ça va casser les tirs. Il y a pour MJ. C'est pas très cher, toi, Tipeee. Tu 1 dollar. Tu à 1 dollar, Tipeee. Donc, tu veux commencer, Stephen alors, sur le poste de meneur de jeu, <laughs> je vais prendre un mec, j'ai pas besoin d'un scoreur, j'ai besoin d'un mec qui fait des passes, donc c'est pour ça que tu piches tes cartes parce que tu une croquette. Mais je vais prendre Steve Nash à 2$. Ensuite, je vais prendre... Très belle un, coupe de cheveux. Un, un, un poste 2, je vais remettre Steph Curry dans son poste de prédilection, je vais lui un peu le, le délester des tâches, de remonter des ballons, donc je vais prendre Curie au poste 2, donc 3 plus 2, ça fait 5 dollars, il me reste 10$. dollars. Sur le poste 3, je vais prendre Michael Jordan, 5 et 5, ça fait 10. Il me reste 5 dollars. Sur le poste 4, je vais prendre Dirk. Pas cher, mon gars, Dirk. Ouais, C'est sûr que tu Ça prendrais Dirk Ça fait 11 dollars. Et il me reste 4 dollars. Et je prends Shaquille Ilonil Et j'ai la Dream Team. Alors, attends. T'as pris Shaq, Dirk. En 3, t'as pris qui Jordan. Curry. Et en une Nash. Curry et Nash. Tu fais Curry et Nash ah, Bien sûr. Moi, ouais. ouais, j'y vais pas, aussi. Ton équipe à défendre défend pas. J'ai préparé. Elle a mon image <rire> <rire> J ai, j ai je le fais et ensuite comme ça ça te laisse le temps de, de réfléchir Tony. Okay. Déjà moi j'ai vu il manque Scottie Pippen. j'ai dit c'est quoi ce game de merde Pippen, il y du game il coûte 50$. Ouais c'est ça. Ouais, donc 70. du coup j'ai dit euh, je ne voulais pas mettre une vieille ambiance, je vais le faire quand même mais il n'y a quand même pas Scottie Pippen. Donc j'ai des arguments de, de poids aussi pour, euh, okay. pour mon choix, vous allez voir ça. Poste 1, j'ai hésité longtemps entre euh, Tony et... Euh, Derek Rose et puis après je me suis dit quand même je suis une émission toutes les semaines avec Tony tu vois ça fout mal et puis tu a un nom de fleur donc je vais choisir Tony. Putain as et raison parce que Derek Rose au bout de 5 matchs il peut il peut être blessé donc il devient un peu plus bah, cher physiquement. Trop trop fragile la fleur euh, et, euh, et Tony tu vas voir dans mes choix euh, ça correspond bien voilà j'ai besoin de quelqu'un qui fait des, des passes et tout ça donc 12 13 passes D par ce match ça te, tu le sens ouais c'est dans tes cordes très bien euh, le poste 2, on a le M Pokora du basket, personne. Alors le vrai problème c'est que si Tipeee jouait avec l'anniversaire, euh, il ne va pas non, avoir beaucoup de ballons avoir. pour shooter, euh, Tony. 2 dollars, il est pas cher. Il est pas cher. Pour un MVP de saison régulière. Voilà, vrai symbole pour toute une génération. Voilà, il est stylé capable de tuer un, un match, est clutch, voilà, il peut t'emmener toute, toute notre équipe en, en finale NBA et rapport qualité prix de, de fou quand même pour... Bon, euh, pour en tu fait, as, as dépensé 3 dollars déjà. Ouais, ouais, ouais. Ensuite. Poste sur 3, je vais à s'attirer du coup. King James, oh, euh, bon, le king normal, leader Kagberg, il sait tout faire. Euh, je savais que tu allais mettre euh, Michael Jordan. Je pense aussi que Tony va mettre Michael Jordan. Donc voilà, j'ai pris euh, le parti de prendre euh, LeBron James. Qu'est-ce que tu fais tes 7 euros de LeBron, attends Et en plus, euh, le, LeBron James, ça va donner le départ du dernier centenaire des 24 heures du monde, rien que pour ça. Il me le fallait dans mon équipe. Bravo à lui. Poste 4. Oui, c'est des arguments de taille, je te le disais. Très bien. Poste 4, on va le faire voilà. aimer un petit peu les Français. Tim Duncan, forcément. Eh oui, avec Tony, tout, tout s'explique. Euh, 3 dollars en plus, hein, Tim Duncan. Voilà, c'est cadeau pour, euh, pour Tim Duncan. Euh, meilleur poste 4 de, de l'histoire oui, sur le, je sur je le viens, terrain. le terrain. Ah ouais, meilleur. <rire> <rire> il m'a laissé, c'est le meilleur, je te dirais pourquoi, il m'a laissé prendre une photo avec lui au Hall of Fame la dernière fois. Ah oui, il exact. faisait sacrément la gueule sur la photo quand même. J'ai cru qu'il allait me décrocher une droite, mais il l'a fait quand même. C'était hyper sympa. Donc euh, je l'ai mis dans mon équipe et puis on reconstitue la. La paire avec Tony. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va performer direct. Et puis, poste 5, euh, en mode Gandalf, fusion not J'ai mis Shaq aussi, parce que Shaq et Duncan, euh, pour passer, pour les bouger, ça va être, ça va être compliqué. Et surtout, je l'ai mis en, en imaginant voilà quelles pourrait être les discussions dans les vestiaires entre lui et, et Duncan. Euh, deux salles, deux ambiances, voir ce que ça donnerait aussi <laughs> sur le terrain. Euh, donc, voilà, mes mon... 15 dollars, comment je les dépense Bien dépensé. Alors, pas mal. À toi, Tony. Alors, tu vas te prendre Bien sûr. Poste 1, moi-même. Au moins, je sais qu'il y aura un bon meneur de jeu bah, oui. pour mettre en valeur. J'ai jamais mieux servi que par soi-même. Poste 1, moi-même. Et juste un dollar. Tu veux ah, un, un dollar, dollar. parfait. Okay. Parfait, rapport qualité-prix. Bah, franchement. Euh, en 2, Michael Jordan. On est sûr. Il y a du lourd. Jusqu'ici, c'est très classique. Ouais. Euh... Très classique, 3... mais, mais il a fait quelque chose de différent de nous. Nous, on a pris Jojo en 3. Lui, il prend Jojo en arrière. ça. En 3, euh, Kevin Durant. Comme ça, j'ai euh, le meilleur attaquant. Après, en 4, je vais avec Tim Duncan. Parce que pour moi, c'est le meilleur 4 de tous les temps. Et il défend. Donc euh, comme ça, Stephen, il pourra pas scorer sur nous. Et après, <laughs> en 5, moi, je prends Hakim The Dream. Ouais. Parce que Hakim, il est incroyable en attaque, en défense. Et c'est un meilleur, meilleur attaquant, je trouve, que chaque Parce qu'il met ses lancers francs. Nous, on fera faute à chaque fois qu'il a la balle. Donc, euh, il ne pourra rien faire. Et donc, euh, en, en défense. Stratégie. En défense, Hakim a été élu meilleur défenseur plusieurs fois. Shaq n'a jamais été élu meilleur défenseur. Hein. Ce que Shaq, je sache. non. À ah, ce que je sache. Hein. Non. À ce que je sache. C'est euh, dur à dire. C'est un meilleur attaquant. Comment on dit À ce que je sache. Il met les lancers Il met les lancers francs. Il <laughs> met des francs. les lancers francs, Hakim, c'est vrai. Donc, toi, à chaque fois que tu et feras forgerons tes trucs, aussi. à chaque, bim, terminé. Oui, mais chaque n'aura pas les ballons dans le money time. Pas grave, on va faire la faute directe. Ah, comme pas pour le moment, trois peux même pas attaquer. <laughs> ah, bon, on va se régaler en regardant vos matchs. Ouais. Quelle est la, la meilleure équipe des trois, là Franchement, quand tu commences à arriver dans ce genre de joueurs, cette oui. catégorie de joueurs, c'est compliqué de départager. Ouais. Franchement, parce qu'en pivot, chaque Hakim, Abdul-Jabbar, franchement, tu prends un des trois, tu peux pas te tromper. Jordan, LeBron James, Kobe, franchement, c'est du lourd. Hormis en Michael quatre, Jordan, tu rêvé de jouer Durk, avec qui là de, tous Charles que tu vois de tout cela, ouais. euh... -ce que chez MGM toi un soir as dit ah lui j'aimerais vraiment bien jouer avec lui. Non, je me suis jamais dit jamais, ça. Jamais tu t'es dit suis à lui, Jamais tu jamais joué à un, 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 une équipe non. adverse et un mec qui a été trop fort. Je dis ah ouais, lui non. ça être trop bien de jouer avec lui. Je me suis jamais dit ça et c'est pas la question que je me pose. En fait, moi j'étais de toute façon tellement fier d'être un Spurs et j'adorais jouer avec Tim Duncan et Manu Ginobili que je me suis jamais dit ah j'aimerais jouer avec lui. Non. Par contre, je me disais ah oh, j'aurais kiffé jouer contre les Bulls de 96. Ah oui. Ouais. J'aurais préféré jouer contre que de dire ah oh, j'aurais kiffé jouer avec lui. Moi j'aurais préféré Jouer contre les Bulls 96, ça, ça aurait été un truc de fou. Ou les Boston Celtics ou Magic Johnson des années 80. Je pense que ça aurait été fort de jouer contre ces équipes-là. Après, c'est toujours ça, les grands débats. Ça dépend des générations. C'est dur de comparer parce que les règles sont pas les mêmes et tous les trucs comme ça. Mais j'aurais adoré, nous, avec notre dynastie des Spurs. Jouer contre la dynastie des même Celtics, même. sous la dynastie des Lakers, sous la dynastie des Bulls. Jesse des Bulls 96, 97, 98, t'es un petit filou quand même. Parce que sur le poste de menu, le jeu, c'est Steve Kerr. C'était pote d'Esper, j'aurais plus. C'était, c'était garde, était. Bah les... ouais, j'aurais bien profité. <laughs> ce qu Comme quand on jouait contre les Lakers, c'était Derek Fisher. Bah, c'était bien, tu vois. Bien. <laughs> Pas grand chose à faire en défense, tu vois. On, on va se faire prédateur. un petit billard, hein, messieurs, on peut continuer à en parler. Quel escroc, celui-là, hein il <rire> prend <rire> les boules. Allez, <laughs> les MNL, <laughs> c'est reparti. un un en en bois. On nous a amené des petits, euh, des petits gants de box et tout. On va avoir une petite initiation tout à l'heure. Ok. Mais on voulait parler, du coup. Allez, vas-y, casse un peu, là. Du GOAT de la boxe. De quoi On fait la F1, on, on a fait, fait le la boxe, là La boxe du GOAT. Okay. Okay. Greatest of all time. La boxe, c'est sympa de parler de boxe, mais euh, alors moi, j'ai jamais boxé. Ah bon, ça se voit pas Leslie, t'as hein? jamais... jamais fait de boxe Moi, tous les jours, je fais de la boxe. J'ai déjà... déjà boxé avec les Spurs, on avait ça en tuning. D'accord, mais t'es pas, pas spécialiste de boxe Ah non, je dirais pas, je que... Je... Je dirais pas que je suis un spécialiste ah, de boxe. Par contre, je suis un grand fan. Grand, grand fan de mais... boxe. Mais... Et moi, j'adore regarder la boxe comme ça en général. Ah, en plus, mon père, il était fan absolu de Mike Tyson. Donc. Euh... Oh. Ouais, c'est quand même mieux de parler de sport avec un vrai spécialiste. Regarde-moi ça. Oh Bam Yes mais... sir Il est chaud en ce moment. Ah. Tu sais quoi Je vais appeler mon collègue boxeur John Dovey, entraîneur des équipes de France de boxe. Ah Vous m'avez gardé une petite surprise alors. Jeにxique. Ah là ben oui ça, ah ça va être John, cool de pouvoir parler avec lui. Ça va Ça va bien. Ça, ça va Ça va bien? À à -tout bien? John Dovey. Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va Ça va T'es voilà. fort, fort en boxe, ah, mais. Non, il faut se là, on va un faire un débat goûte avec, avec un spécialiste. Voilà, voilà, ah ça ouais, fait oui, plaisir. Ça, là, là euh... ça fait plaisir. Ah oui. Parce qu'à chaque fois, on est obligé de prendre sa vérité, et, tu sais, la vérité sur les goûtes. Ah oui, puis là, la vérité là, là, de Stephen, c'est. attends ah, ah, c'est faux basket, c'est pas les plus grands qui ont forcément la vérité. Comme il a que des grands, c'est pas forcément le plus grand qui a la vérité. Ah, John, tu veux te chauffer en train de comme ça non. Surtout pas. Allez, dis-nous, selon toi, qui est le, en fait, le, collègue, le meilleur et, et tes arguments, du coup bah, on a, En fait, quand on est en boxe, et je pense qu'au basket, c'est pareil, on a tous nos goûts, on a tous nos... Ces personnes qui les ont un peu influencés, moi, c'est... Pour alors, donner on, le plus d'émotion. Moi, ça change tous les dix ans. Aglair Léonard. Aglair Léonard. Pendant dix ans. Alors, vous savez qu'ils se sont rencontrés tous les deux. Et, et euh, Léonard a gagné et puis Agler il s'est retiré. Là-bas, c'est mieux que s'est <laughs> Agler, Agler retiré, il n'est jamais revenu. Tu joues quoi, tu m'as dit et, et donc, oui. euh, voilà, tous les dix ans, en dix ans, c'est et en dix ans, c'est Léonard. Et on parle souvent de Moïd Ali. Alors, je dis que Moïd Ali, c'est celui qu'on qu ne nomme pas. C'est un peu le, le Jordan. C'est hein. lui qui l'a dit. Pas, hein bien sûr. Et donc, euh, voilà, on a tous nos côtés. Et actuellement, plus peu récemment, il y a des gens qui ont fait de la boxe parce qu'ils ont vu Tyson. Parce qu'ils ont même vu Rocky souvent. donc ça, Chacun son influence, chacun ah oui, son y en truc. disent Rocky ouais, c'est le Oui, il y en a qui ont regardé. Non, ouais. pas de GOAT. Il y en a qui ont été <laughs> influencés parce qu'ils ont vu Rocky le à la télé. Ouais, parce qu'ils C'est Parce que ces oh films, toutes ces séries ont, ont quand même véhiculé un certain nombre de, de, de valeurs et d'images. Donc Exactement. forcément, ça, ça, parle à, ça parle à beaucoup de personnes. Mais, mais, mais si tu parles de technique pure, le plus beau boxeur de l'histoire. Et c'est ça le GOAT le plus beau Le plus beau boxeur, celui qui avait la meilleure technique. Rechugard Leonard. Rechugard Leonard. Ah ouais, bah, ah. il était costaud, lui. Hein. Il était fantastique. Champion olympique déjà dans un oui. premier temps. Ensuite, il a été champion du monde dans différentes catégories. Et rappelez-vous, c'est lui qui avait rencontré euh, um, Roberto Duran. Il oui. avait réussi à le battre après. C'est un, un boxeur qui a traversé les générations, qui a traversé les catégories. Et à chaque fois, il a, il, a, il a la discipline de sa classe à chaque fois. Et puis là, il est toujours là. Il a toujours la classe, toujours bien. Et voilà. Mais justement, Avec le en, temps, par, en parlant des catégories, est-ce que c'est pas mieux de dire qui est le GOAT dans sa catégorie, parce que c'est dur de comparer un poids lourd et un, un poids plume. Bah le GOAT, c'est celui, celui dont on parle souvent, celui qui, qui, qui a fait les combats hors normes, c'est celui qui est revenu de l'enfer, c'est celui qui... Mais c'est souvent les poids lourds quand même. Bah pas forcément, on est toujours plus influencé par les poids lourds, parce que ce sont les poids lourds, c'est les plus grands, c'est les plus costauds. Mais quand on, on est dans la discipline, bah on, on remarque qu'il y a, a d'autres boxeurs qui sont dans des petites catégories. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, un des, un des boxeurs qui, qui est l'image de la boxe. C'est un boxeur qui s'appelle Terence Crawford. Il a boxé il y a, il y a environ un mois. Ouais, il a boxé il a un mois, il a rencontré un autre boxeur qui s'appelait euh, spence, spence et spence étaient les deux meilleurs boxeurs dans la catégorie des Walters. Mmh. La catégorie des Walters, c'est 67 kilos. Ouais, la catégorie bon. de Suleiman Sissoko. Et, et c'était les deux boxeurs qu'on espérait voir depuis longtemps. Puis finalement, les, les, les promoteurs se sont arrangés. Et enfin, il y a eu ce combat. Et il n'y a pas eu combat. <laughs> il n'y a pas eu combat parce que. Crawford a éclaboussé le monde entier de sa classe et il a, il a atomisé l'autre. Alors, c'était les deux meilleurs, on se demandait qui va gagner. Et Crawford a été tellement au-dessus qu'on s'est dit, mais comment à un moment on a même pu penser que l'autre était au même niveau En fait, révaluer. il est tellement fort. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on peut prétendre et dire que c'est l'image de la boxe. Ça, bon, tu peux jouer, John. Je peux jouer ça fait en que je n'ai pas joué au vous me prenez. Aïe, 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 ça y est. Il ah, y a quand même la petite non, technique que... là. Ah ouais, ça fait là, il, a y, a pas un joué, mec il est... y a un mec qui a rouillé les bistrons. Non, non. <rire> <rire> je dis rien, c'est le plus grand. <laughs> Donc, non, en boxe, c'est vrai, on a tous. Euh, on a tous on, je pense que vous êtes tous déjà, euh, par hasard, tombés sur un combat de boxe. Et, et tiens, ce boxeur-là, il est pas mal, sa technique, elle est pas mal. Et Même si vous ne connaissiez pas grand-chose avec les commentateurs et, et ce qu'il véhiculait sur le ring, ça vous a marqué. Vous êtes reparti voir d'autres euh, combats. Sûr, comment bien il bien a sûr. fait voilà. Donc euh, Heureusement d'ailleurs, hein. c'est comme au basket. Il mm -hmm. y a Jordan qu'on nomme pas, ouais. et après il y a tous les autres en dessous. Ben qui sont assure, pas bien, mal. Sûr, bien sûr, bien sûr. <laughs> et, mais Tony, chez vous, mais chez vous. <laughs> même <y a> <laughs> chez vous, on dit toujours que c'est Mohamed Ali alors, le, le meilleur. Est-ce que Mohamed Ali va pas au-delà de la boxe Est-ce que c'est lui le Jordan Culturellement. Parce que ça va au-delà de la tout, Parce que pour tout, et même pour ce qu'il a fait. En fait, alors, je vais pas aller pour ma discipline, je vais aller pour le basket. Parce qu'à un moment, souvent quand j'en parle, je dis en fait, le vrai sportif du siècle, pour moi, c'est Jordan. Pourquoi Jordan Parce que c'est le seul, alors moi j'ai 50 ans, je suis d'une génération. Moi je rappelle, j'étais venu voir Jordan, il était venu une fois à Paris et, et le service de sécurité était dépassé parce qu'il ne oui. pensait à pas qu'il était venu. C'était en 80, je ne sais oui, pas oui, en quelle année, j'étais jeune je alors, Il y avait un concours de dunk tout ça, c'était oui. un mec de bondi qui a gagné. Et, et donc j'étais basket moi à mon époque. Et, et je dis Jordan est le sportif du siècle parce que personne comme Jordan n'a influencé, n'a chamboulé le monde entier par sa technique. Parce que Jordan a emmené tout le monde à faire du basket. Mohamed Ali, il a été Mohamed Ali, certes, mais tout le monde n'a pas fait de la boxe. Alors que Jordan, tout le monde, à un moment, a, a voulu jouer au basket, a voulu se tenter au basket, a voulu faire du basket. Mais Ali je pense avait il y a eu d'autres combats. Effectivement, il y a d'autres combats, mais ah, c'est oui. qui étaient personnels, qui étaient des combats euh, sociétaux, je dirais. C'est vrai, important. Ouais, c'est pour ça. Ça le... pour ça que c'est le sportif du siècle. Mais quand je parle de sportivement pur, le, le goat dans tout, tout sport confondu, c'est Jordan. Jordan, on regarde encore ces images aujourd'hui. On... On s'en délecte et c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Ça fait dix minutes qu'on parle de boxe et on n'a même pas prononcé le nom de Mike Tyson. Pourquoi Il est surcoté Surcoté Mike non, Tyson Non, pas surcoté, absolument pas. Je dirais que Tyson, c'est celui qui arrive peut-être après Mohamed euh, euh, Ali. Pourquoi Parce qu'il euh, est arrivé dans les années 90 où vraiment, euh, surtout en France et dans plusieurs pays, il y avait quand même il y a de plus en plus de télé, des chaînes télé. Donc on montrait ses combats. Il a été très charismatique gagner ses combats en 1 minute 30. Ah, ouais, c'est ça fort. en fait, c'est ce truc-là. L'excitation. Il ouais, bah, le a levé la nuit. Hein. C'est ce truc-là. Ah, bah, c'est ce truc-là ce truc ce truc qui fait que, en fait, et, et aujourd'hui, il y a un autre Tyson qui boxe dans la catégorie des 60 kg. C'est qui aujourd'hui aujourd est... Mais dans les mêmes état d'esprit. Mais en fait, il y a tellement de boxeurs qu'il est un peu noyé. Il s'appelle Jarvanta Davis. Ouais. il Mesure 1m60. Il boxe dans la catégorie des 60 kg. Il est tatoué de partout. Et il est impressionnant. C'est-à-dire que, et c'est ça, il donne les mêmes sensations que Tyson. C'est que lorsqu'on assiste à un de ces combats, j'en je ai commenté plusieurs, on attenture le chaos. On attend toujours le cas. On sent que ça va arriver parce qu'il développe une telle puissance, une telle agressivité. Il a les mêmes problèmes. Il a failli aller en prison. Il a des problèmes avec sa femme. Il vient de Baltimore, une des, cités, une des villes les plus, les plus dures des États-Unis. Et il a son histoire. Et en même temps, il a une histoire parce que c'est des problèmes avec ses parents. Ses parents étaient des toxicos. Puis finalement, il y a un coach. Un coach qui l'a qui, qui pris très jeune et qui s'occupe de lui, qui est son entraîneur encore aujourd'hui. Et, et qui a même inspiré le, le film The Wire. Euh... Ah, ouais. ah, c'est ouais, oui. une vraie ouais, histoire. Ce coach là a inspiré l'entraîneur de boxe. Vous jouez plus ouais. là, les garçons Oui, bah, mais c'est ah, moi. Pardon, pardon. My pardon, pardon. Ah, ça, c'est les garçons. <laughs> faire deux choses en même temps, c'est compliqué. Et John, si on parle boxe française en France, c'est qui le plus grand boxeur pour toi Marcel Sardin T'as pas connu, hein. peut-être ah, c'est trop vieux. Jean-Marc Jormac C'est une génération. Hein. Non, Jean-Marc, c'est encore de ma génération. Je dirais. Il y a un boxeur qui, qui, qui est moins connu aujourd'hui, qui, 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 qui est exceptionnel, et quand on en parle encore, c'est un, un boxeur qui s'appelait Laurent euh, euh, Boudoigny. Laurent Boudouani Oui, ouais, qui a fait médaille de bronze, ouais. de, médaille d'argent aux Jeux olympiques, qui est devenu champion du monde dans différentes catégories. Aujourd'hui encore, les anciens disent que c'est celui qui avait de qui qui plus de qualité. Rapide et puissant, et qui était bon, qui était dans la catégorie des, des Super Walters, 69 kilos. Donc forcément, vous parlez, tu parles un puriste. Et donc, je vais te parler des noms que le grand public ne connaît pas forcément, parce qu'aujourd'hui, on va te parler oh. peut-être d'un Yoka, de Suleiman Sisoko. D'ailleurs, tu, tu le mets où, Yoka dans, dans, tu, ah. Il est dans ton top 5. J'ai l'impression que c'est la <rire> meilleure <rire> question. c'est la meilleure question depuis le, le débat boxe. C'était ouais, la prochaine. de On peut mettre Suleiman au-dessus. Pourquoi C'est pas bien pas Non, ça, non, ça, pas non mais Parce que Tony, il est très. enfin c'est beaucoup athlète. Il est clivant, Tony. Tony, c'était mon athlète, donc je connais ses valeurs. Et il a été champion du monde, champion olympique. Et donc, c'est un boxeur qui a des qualités, qui s'est peut-être perdu un petit peu. Un moment perdu quoi et dans la chemise dans non, avec l'argent Non, pas forcément, mais à un moment il faut je pense que tout ce qui s'est créé autour de lui aussi hein, ouais, quand, une chaîne qui quand, voilà qui quand, est vraiment quand, quand la tu passes conquête. ce cap quand tu passes ce cap, je pense que en France, on n'est pas prêt encore. Il a été mangé par le système français et puis l'organisation autour de lui. Moi, je pense que Tony, il aurait dû on a mis Tony en avant. C'était le main event de toutes les soirées. Oui. Mm -hmm. Sauf que les gens attendaient lui. La première erreur déjà, c'est que Tony quand il est sorti des jeux euh, on a tellement parlé de lui que tout le monde pensait qu'à son premier combat, il allait rencontrer Anthony Joshua. Mm. Oui. Qui était le, le champion du monde actuel. Ah ouais. Et puis finalement, tout le monde a été déçu qu'il rencontre un, un petit gros. Mais ça, c'est le ça. circuit normal Quand on dit qu'il combat contre qu des pompes et combat contre des C'est le circuit normal. Parce qu'il doit s'aguerrir et boxer en 3 rounds de 3 minutes. Et là, bien sûr, il commence à boxer en 8 rounds de 3 minutes. Mmh. Donc forcément, il faut s'aguerrir il faut apprendre le métier qui est un peu différent. Les bandages sont différents l'organisation est différente l'entraînement est différent. Donc il faut, faut s'adapter. Et le grand public n'a pas compris ça. Et puis après, bon, on parle de Tony il est quand même sur deux défaites. Ouais. Donc, forcément, il, il, je dirais qu'il y a une un peu, vraie différence il, un peu en aussi, il faut rappeler entre euh, la boxe olympique et la boxe en, en ben, pro. Ça reste euh, de la boxe. Mais oui, mais la seule voilà, différence. on a vu le passage de Tony, c'était la team solide en ouais, 2016. Hein, ouais. Donc, euh, voilà, toutes les, les, les médailles qu'on a eues à Rio en 2016 avec les, les boxeurs, dès qu'ils sont passés pro, effectivement, compliqué. Non, pas compliqué. En fait, l'image de la boxe en France, les gens ont l'impression que c'est Tony. Donc, tu dis que c'est compliqué parce que c'est compliqué. Il y a Christian Billy. Je sais pas si tu connais, qui, oui, est, oui, qui, qui est au Canada, qui fait des combats exceptionnels, mm -hmm. qui est le numéro 2 mondial, il y a sous les mains de Il faut s'exporter, il faut aller s'entraîner au Canada, aux États-Unis. Ah, tu dis ça à un, un coach français, oui. ben, non. Non, mais, parce euh, que Tony l'a fait, parce qu'on a l'impression que pour passer le cap, il faut y aller. J'ai cette lucidité. Alors, euh, ma volonté première, c'est de, 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 de reformer la boxe en France et euh, faire en sorte que les boxeurs ne partent plus à l'étranger. D'une part, parce que sur le management, c'est mieux à l'étranger. Ta carrière sera peut-être mieux montée. Si tu passes pro au Canada ou aux États-Unis, euh, au niveau de l'entraînement, on n'a rien envie aux autres. Il faut juste avoir un peu de confiance. On est encore sur un système un peu, je dirais, de, 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 de bénévolat, le club, l'association, la, ouais. alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment professionnel. Tony, c'est comment ouais, ça se ouais, passe, c'est ouais. complètement différent. Mais c'est ce qui fait la différence, en fait. Professionnaliser mon sport, notre sport, c'est élever le niveau de ce sport. Et, et malheureusement, la boxe est encore dans les petits gymnases, à coller mmh. à, la, on manque à, à la mairie, c'est ça. ça. On manque d'infrastructure, on manque, manque d'organisation. Il veut s'entraîner. Je suis chaud, J'ai vu, j'ai vu. Et, et qui est, est resté pas. en France euh, Souleymane, il est en France. Souleymane, il, il est, est, est resté est en France. Il s'est entraîné aux États-Unis avec un entraîneur américain. Il y a des boxeurs comme à Saddam qui ont fait les jeux et les conquis. Alors Sarah Oramoun qui a arrêté, Estelle mouzili qui, est, qui est partie un petit peu états mais elle est restée en France aussi mine de rien, elle a pris et des France français. Sofiane, et Sofiane, ouais, Sofiane ouais. aussi, Sofiane qui est restée en équipe de France avec nous, qui est, qui est devenue trois fois champion du monde. Donc, ouais. euh, y a, on a un vrai savoir-faire en France et on peut, euh, voilà, il y a des choses à faire. Mais par contre, voilà, il, faut, il faut réformer et changer toute l'organisation en boxe en France je pense. Tiens John on regarde. Fait... Donc on en parle beaucoup ça. Je fais une petite ah, séance pas Je suis pas sûr. Je sais que... pas. Sûr. Moi je sais pas, je connais pas hein, Tu connais pas. Hein, c est... C est ah, pas. Non, Alors si toi tu connais pas, on, est, euh, on va passer un grand moment Ça sert à quoi ça, c'est pour faire ça. Hein. <laughs> non J'en ai, <laughs> <laughs> ai déjà fait, c'est pas vrai qu'il arrive pas à mêmes. Oh là 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 hey, Ah ouais, d'accord, Ah, il est pas dit, il est pas déclaré. J'ai l'impression que tu veux un grand moment de télé. Pas déclaré. Par contre, la garde, non, c'est pas ça. la technique pour faire un bon hypercut, ce serait quoi Bah, as dit il y a trois points en boxe. Du parcours de crochet ou direct, c'est ouais. la même ossature, c'est le même travail. Il n'y a que les bras qui vont changer. D'accord, la Je position explique. du corps, c'est la même tout le temps. La position du corps est la même. La est la même. Je on garde alors, vous pouvez faire, peut faire peut-être euh, euh, en phase de moi, Qui est gaucher Qui est droitier Droitier. C'est tout droitier, Droîtier. donc le pied gauche Allez. devant. Le pied gauche mmh. devant Oui, pied gauche le devant. D'accord, on part du principe que le bras arrière, c'est le bras droit. Oui. C'est le bras le plus fort, donc c'est celui qui va partir et qui va faire mal. Alors, grossièrement expliqué, le bras gauche il va chercher, il est léger, ouais. et le bras droit, boum, c'est celui qui va faire mal. de de Exactement. Tous les petits okay. jambes, ça veut dire le ça. Gauche. Il me faut une ligne entre les jambes. Parce que si on ne met pas de ligne entre les jambes, on fait l'escrime, à un moment on va perdre l'équilibre. D'accord okay. Si l'escrime, c'est qu'il y a un bras, c'est bien, c'est vrai. Hein. Mais si comme on a les deux bras, à un moment, je suis obligé. Si vous avez vu ce que je fais Je suis obligé d'avoir cet équilibre-là, qui est personnel. Donc face à l'adversaire, vous mettez face à moi, on dit que c'est moi, on fléchit légèrement sur les jambes. Voilà, très bien, légèrement, une légère flexion. Il faut avoir une ligne entre les jambes. Là, es un peu trop comme ça voilà écarte la stabilité et la boxe et je vous disais c'est les trois coups qu'on donne en boxe sont les mêmes tout part de cette rotation vous avez vu vous avez souvent les boxeurs ils oui, font oui, ça d'accord c'est ça parce que ça permet de libérer le bras en même temps vous avez vu par exemple les directs là je mets deux directs deux crochets coups circulaire horizontal et du percute vous avez vu es c'est la même chose le coude. la même chose je fais ça vous avez vu c'est que ça en fait ouais. c'est presque c'est presque un petit pas de danse un petit okay. peu c'est vrai mais la seule différence ce qui fait tout l'effet, c'est qu'il ne faut surtout pas sortir les fesses à l'extérieur. Ah, ça, c'est quand on veut zouker, ça. <laughs> c'est pas le même sport, ça. C'est pas le même sport. Il faut avoir l'impression que le corps est un tube et il faut tourner dans ce sens-là. Il y a à chaque fois un trou devant et on libère le bras. Là, en fait. Il faut mettre l'épaule dans l'axe. Vu la rotation que j'ai faite, il faut mettre l'épaule dans l'axe. D'accord Et on libère les bras à chaque fois. Vous avez vu comment je fais C'est pour éviter de rentrer dans la, phase, dans la zone de l'adversaire. Il faut avoir la rotation et faire ça. D'accord Très bien. Donc, alors, je vous montre. Petite oui. démonstration. Quand on met un direct, c'est ça. Quand on met les uppercuts, c'est ça. Des crochets, c'est ça. Ensuite, il y a les déplacements, on se déplace un Putain. petit peu. Bras avant, bras arrière. Là, un, deux. Là, un, deux, trois. Vous avez vu un peu ce mouvement de danse au niveau des épaules Ouais, c'est beau. Il ne faut pas être crispé, il faut avoir une espèce de, de souplesse dans le mouvement. Légèrement fléché sur les jambes, très bien. On fait les déplacements, on regarde devant, derrière. Là. Regardez devant, derrière, derrière, On se déplace par ici, on suit, on suit, on suit. oui, par là, par là. là. Et là, qu'on se déplace comme ça, comme ça, comme ça, ah, comme, ça comme ça. Voilà. Comme ça, vieille. pas chassé là. Pas chassé, là, on revient là, devant derrière. Oui, on recule, on recule, on recule, on recule, on recule. Là, on avance sur moi, on avance sur moi, on avance sur moi. Stop, la ligne entre les jambes, elle est où Allez <laughs> On ne sent pas les fesses derrière, on reste grand. Allez, bras avant. Là, bras avant. Le bras avant, c'est le bras qui est devant. Le bras gauche. Ah, voilà, bras gauche. Jab. Voilà, bras droit. Très bien. Et quand on met le bras droit, regardez ce que je veux. Je veux ça. On tire cette épaule gauche en arrière pour libérer la droite. On essaye Voilà. Oui, tirez-moi l'épaule en arrière. Très bien. mais sans mettre les mains là. On met les mains là. Comme ça. Le bras avant. Le bras gauche. Pardon. Là, devant, bras droit, très bien. Un, deux, un, deux, très bien. Asso Sans sauter, ramenez les jambes ici, gardez le même écart entre les jambes. Bras avant, bras arrière. Pas mal. Bravo, bras arrière. Oui. Je vais chercher les pattes d'ours. Ah, il est Allez, sur les pattes d'ours Il veut se faire son petit workout, il ne l'a pas fait aujourd'hui. Il a mangé 5 M&M, c'est 5 caribous, il veut les éliminer. <laughs> la main gauche qui va partir là, c'est l'épaule droite qui se tire en arrière, et ça part tout seul. La gauche, très bien, tiens moi l'épaule en arrière. Oui, à droite. Non, prends pas d'élan. Très bien. En fait, le mouvement, c'est pas ce bras-là, c'est cette épaule-là que tu tires en arrière. Tire-la en arrière. Très bien. Maintenant, tu vas me mettre le plus vers le bas. Tu vas visser ton poing en même temps. Sans la préparer d'abord. Sinon, tu m'envoies un texto, tu me dis, John, je vais travailler. Je ne veux pas le savoir. faut que tu aies d'un coup. Boum, la rotation. Très bien. En tirant l'épaule gauche, droite en arrière. Oui, l'autre côté. Très bien. Pas mal. Moi, je trouve que c'est un peu trop sûrement, sérieux tout ça. Vas-y, alors... ah, ouais, viens, viens. Pied viens, viens, voilà. gauche devant. Un, deux. Ah, a, oui, oui, de, oui, de là. Mais par contre, quand tu veux, faut pas que ta main descende là. Okay. faut que ta main reste ici. Un, deux. oui, laisse-moi là. Un, deux. attends. Un, deux. oui. Encore une fois. 1, 2, 3. Oui, maintenant, il faut garder les mains ici. 1, 2, 3. Oui, t'es moi descendre dans tous les sens. Ici. Es ici. Reste là. Encore trois. Trop sérieux tout ça là Johnny va prendre 50 dollars. C'est bon, je suis prêt. On y va C'est parti. En position boxe, rappelle-toi. Oui, zéro technique. Oui, pas mal. Pas mal à gauche. Non, sans me faire ça. Tiens-moi l'épaule droite en arrière. Il, te défoncer, il est défoncé, il n'est pas prêt. Oui, très bien. Il oui. est le là. Il est pas mal, hein Mais oh On comme ça. Un, deux. Un, deux. Encore une fois, reste à ta place à devenir sur moi. Un, deux. Un, deux. Ouais. Un, deux, trois. Un, deux, trois. À toi. <laughs> Tiens-moi l'épaule droite en arrière quand tu vas la gauche. Oui, <laughs> très bien. Allez, hey Leslie. Là. Garde les bras en l'air comme ici. ça. Protège-toi. Protège-toi, Leslie. Oui, pas bien. Y une on pas. aussi. Voilà. 1, oui, encore une fois. 1, 2, on se déplace, on voilà. se déplace, on se déplace, on se déplace. Oui, on là, se déplace, là, là. On se déplace, on se déplace. très bien. Regardez ce qu'on va faire. C'est bon. Vous avez tous les trois tournés autour de moi. Vous avez vu les déplacements. Je vais pas transpirer. tout seul, venez, venez, venez autour de moi. la ronde. Venez autour de moi, venez autour de moi. Bon, vous devez vous déplacer. Nous, on va, continuer à travailler, hein, parce que je vois qu'il est en transpi et tout. Nous, on va, nous, on va continuer. Mais en tout cas, merci pour cette leçon. Merci beaucoup. Super. Je crois qu'on a encore du travail à faire tous les trois. On va s'entraîner. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt tous les vendredis à 18h. Bye! C'est parti! On a donné la corde! Il faut en profiter! Il n'a pas de corde! Il a pas de corde! Tournez autour de moi! Oui, la droite! La gauche! La droite! La gauche! La droite! Gauche-droite! J'aime pas! Gauche-droite! Ça veut trois maintenant! Gauche-droite! Trois Trois